passengers for Bangkok, Hong Kong, and Manila. Please proceed to gate number 5 for immediate boarding. Lorsqu'on arrive à Mandalay, on ne risque pas de s'ennuyer, car il y a tant de choses à découvrir. Par exemple, la colline de Mandalay avec ses pagodes blanches hérissées çà et là. Une bonne randonnée en perspective, mais sous une forte humidité et un soleil de plomb. Le Palais Royal, véritable cité impériale de presque 4 km de côté, du roi Mindon. Il y a aussi le monastère de Shwedando, qui fut au départ une des parties des appartements royaux du roi Mindon, entièrement en teck sculpté. Il faut s'attarder sur la pagode Kutodo. C'est un ensemble de stupas bouddhiques. Cette pagode abrite le plus grand livre du monde par sa taille. C'est le canon bouddhique gravé sur 730 stèles. Vous irez sûrement sur le pont d'Uben, entièrement en teck, et qui traverse le lac sur 1,2 km, ce qui en fait aussi le plus long pont en teck du monde. Mais moi je vais vous emmener à Mingun, à une quinzaine de kilomètres de Mandalay, et qui se trouve de l'autre côté du grand fleuve, l'Irrawaddy. Ici, nous croisons des îlots sur le fleuve Irrawaddy où s'entassent des cabanes de pêcheurs sédentaires, surpilotis pour parer aux crues du fleuve. Mais ici, ces pêcheurs sont saisonniers, ils rejoindront les berges quand l'île disparaîtra. Cette petite croisière est plus agréable que d'emprunter le pont Awa. Nous devinons déjà les joyaux de Mingun. Ici, on ne peut pas échapper à ces carrioles qui vous emmèneront sur les sites à 1 km de la berge. La pagode inachevée de Mingun, commencée en 1790 par le roi Bodopaya, dont l'ambition était d'édifier la plus grande pagode du monde. Elle était censée atteindre 150 mètres de haut, mais le roi mourut en 1819 avant d'avoir mené son projet à terme. Les caisses du royaume étant complètement vides, son successeur, le roi Bagi Idam, se retint de poursuivre cet immense projet. La base de la pagode culmine encore à 50 mètres de haut. L'immense lézarde date du tremblement de terre de 1838. La terrasse supérieure s'effondra sur le bas de l'édifice, enfouissant à jamais les trésors que le roi y avait entreposés. Une dent du Bouddha, 1500 figurines en or, 2534 statuettes en argent
et 3700 objets précieux. Ce n'est pas moi qui les ai comptés, hein. C'est quand même impressionnant de se retrouver devant le plus grand monument en briques du monde. Juste à côté, encore un superlatif. La cloche de Mingoun, la plus grande cloche du monde en état de fonctionnement. 4 mètres de haut, 5 mètres de diamètre et 90 tonnes. Elle fut fondue en 1808. Lors du tremblement de terre de 1838, son support se fissura et tomba sur le sol. 50 ans plus tard, elle fut remise par les Britanniques sur un nouveau support. Nous achevons notre périple par la pagode Simpyu. Oui, je sais, on l'écrit comme ça, mais ça se prononce Simpyu. La pagode Simpyu fut édifiée en 1816 par Bagyidam. Le roi la voulut très belle, à la mesure du chagrin que lui provoqua la mort de sa première femme. Répétition de l'histoire du Taj Mahal en Inde. Le résultat est magnifique. Le guide de voyage, le petit futé, dit d'elle qu'elle ressemble à un gros gâteau à la crème. Elle est construite sur un plan circulaire, le tout blanchi à la chaux, compte 7 terrasses concentriques finissant par des parapets. On y accède par des escaliers couverts, par des arcades sculptées de stuc. Son état de conservation est extraordinaire. Les 7 terrasses décorées avec des vagues représentent les 7 mers. À leur sommet, le stupa symbolise le mythique Mont Meru, le centre du monde. Pour y arriver, il faut traverser 12 portes en quinconce, 7 pour l'ascension des terrasses et 5 pour atteindre le stupa. Mandalay et ses environs est un lieu à ne pas manquer quand on visite le Myanmar, l'ancienne Birmanie. Quant à moi, je vais descendre l'Irrawaddy pour un autre lieu mythique, la plaine de Bagan et ses 2000 pagodes. Mais ceci est une autre histoire.